Allez les amis, c'est parti pour une nouvelle guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Merci infiniment pour tout les amis. Voilà, merci tout simplement. Voilà, sans vous, je le répète souvent, mais c'est vraiment vrai quoi en fait, quelque part. Je ne pourrais pas partager ma passion, donc un immense merci. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas, abonnez-vous. Allez les amis, c'est parti. Bon, ben là on a la trompette qui me... et la réussite, la notion de renommée avec la rune Béline. Alors là j'ai l'impression avec la trompette que... il y a des réveils qui doivent se faire là. La vie va vous aider à vous réveiller. Voilà ce que j'ai envie de voir. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, pardon. Allez, nous avons l'écroulement, l'effondrement, les amis. Donc, je pense que ça va de pair. Hein. Je pense que là, vraiment, la vie va vous pousser, les amis, à vous réveiller. La vie va vous pousser à avoir des déclics intérieurs pour vraiment finir de laisser partir ce qui ne vous correspond plus. Voilà ce qui me vient, les amis. Et si vous n'entendez pas ce que la vie vous envoie, si vous n'avez pas les déclics, ça va s'accélérer. Ils vont un petit peu insister pour finir de lâcher. Voilà, il y a une très très belle élévation qui vous attend par la suite, les amis. Alors, si vous n'êtes pas sur votre bon chemin, croyez en la vie. Je pense qu'elle va vous aider à changer de direction, changer de voie. Ça me fait également penser vraiment au fait d'être réveillé par la vie pour lâcher des choses, laisser partir des choses en toute confiance, les amis. Il y a une très très belle élévation qui vous attend par la suite, mais aujourd'hui vous êtes encore retenu, rattaché, et là le réveil va se faire quoi. Le réveil, c'est vraiment cette notion de la vie qui va vous réveiller pour avoir des déclics, pour voilà. Pour que vous vous libériez de certaines choses. Il y a des trucs qui sont en train de s'écrouler, alors peut-être pas complètement, il y a des choses que vous refusez de lâcher, il y a des choses que vous refusez de laisser partir, par peur, par peu importe, hein. Là après ça vous concerne si vous voulez, mais il y a cette notion de pas avoir, de pas réussir à laisser partir certaines choses, du coup ça ralentit votre évolution, et là vous allez être un petit peu quelque part de façon gentille, rappelé à l'ordre. Voilà ce qu'on me dit les amis. On nous parle de patience, donc même si vous êtes dans le tourbillon, dans le fait de pas comprendre, de pas voir certaines choses, cette carte de la patience vous dit que l'univers est très présent à vos côtés, que l'univers veille sur vous et de vraiment avancer en confiance, finir de lâcher ce qui doit l'être. Et on vous dit vraiment que la suite va être prometteuse. De toute manière, si la vie vous enlève des choses ou vous pousse à lâcher certaines choses, c'est bien qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive par la suite. Et il y a vraiment la notion d'élévation par la suite, de réussite et de renommée, mais de finir de lâcher. J'ai l'impression qu'il y en a qui bloquent cette renommée justement également parce qu'elles ne lâchent pas complètement tout ce qu'elles ont jusqu'à maintenant. Il y a des choses qu'il faut qu'elles arrivent à lâcher ou qu'ils arrivent à lâcher. Et là, ce n'est pas encore complètement lâché en fait. Alors ça peut être un passé, ça peut être une situation, ça peut être une relation les amis. Il y a quelque chose que vous ne laissez pas partir. Et là on vous invite vraiment à laisser partir. Et la vie va insister et va continuer à appuyer dessus pour que vous ayez ce déclic et que vous tourniez une page en fait. Clairement voilà ce qui me vient avec ce tirage. Bon, j'ai des travaux au fond du jardin les amis. J'espère que vous ne serez pas trop dérangés par les bruits. Vous pouvez avancer en toute confiance, les amis, c'est ce qu'on me dit. Alors, avec la croix, c'est qu'on attend vraiment que vous mettiez fin à certaines choses, les amis, même si ça vous fait peur, même si vous êtes, voilà, vous n'êtes pas à l'aise avec ces choses-là. On vous invite vraiment à voilà, laisser partir ce qui doit l'être, hein. On vous dit que vous le savez intérieurement quand même. Vous avez conscience de certaines choses intérieurement, mais que vous n'arrivez pas complètement à lâcher. Et bien là, on vous invite vraiment à lâcher et à faire confiance en la vie, en fait, tout simplement. Les choses vont finir par s'éclairer, les amis, et vous allez vers une meilleure élévation. Regardez, il y a le bonheur qui revient, il y a l'intuition également après.
On vous invite vraiment aussi à vous connecter à vos ressentis, à votre intuition. Il y a des choses que vous savez, mais que vous ne voulez pas laisser partir. Et pourtant, ben, on va vous y amener, hein, de toute manière. Mais c'est pour du mieux après. C'est pour, voilà, vous allez passer d'un état de bonheur. Vous allez quitter un état de tristesse, de sacrifice, pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Avec l'intuition et le bonheur, on vous invite à vraiment observer et écouter les signes. Et surtout à être patient, en confiance, les amis. Même si vous lâchez des choses et ça vous rend inconfortable ou ça vous met dans une instabilité, on vous dit que c'est pour du mieux après, qu'une très belle élévation vous attend, que le soleil est derrière toute cette période-là de laisser partir. Et vraiment que les choses vont s'éclairer, de garder la foi et d'avancer, quoi. J'ai vraiment ce ressenti. Alors, j'entends le mot prière également. Donc, on vous invite peut-être à vous connecter à votre spiritualité pour finir de lâcher ça, pour vous faire aider aussi peut-être par l'univers, pour lâcher tout ce qui ne vous correspond pas ou plus, pour réussir à tourner cette page, pour réussir à trouver cette force en vous de finir de lâcher certaines choses que visiblement vous n'arrivez pas à lâcher. Après, j'ai l'impression avec la trompette qu'on va vraiment, on me montre une trompette et comme si on allait vous souffler dans les oreilles jusqu'à que vous compreniez ou jusqu'à que vous lâchiez certaines choses. Donc là, j'ai vraiment le ressenti que l'univers va pousser le fait que vous lâchiez ce qui doit l'être. Si vous n'avez pas réussi jusque-là, si ça demande encore du temps, j'ai vraiment le ressenti qu'on va vous rappeler à l'ordre quelque part. J'aime bien parce que c'est cette expression que j'entends en clairaudience, mais ça, il y a un petit côté un petit peu autoritaire pour dire allez, maintenant c'est vraiment le moment, allez, maintenant stop à certaines situations et certaines relations, certaines choses. Donc toujours dans la bienveillance parce que l'univers ce n'est jamais autre que de la bienveillance. Mais ceci étant dit, je pense que ça va être un petit peu ferme et qu'on va vraiment vous y amener à lâcher ces choses et à vous concentrer ou à vous tourner vers quelque chose qui arrive de plus lumineux. On me dit qu'il faut que, après cette période, vous accueillez le nouveau qui arrive. En fait, voilà un petit peu ce qui sort de ce tirage, les amis. Allez, je continue. Nous avons la lune, donc l'intuition, mais aussi des choses que vous ne voyez pas clairement. Hein. La lune, c'est des états émotionnels qui ne sont pas géniales. C'est aussi je vais y arriver. Les parties de vous où la vie qui n'est pas suffisamment claire, les zones d'ombre en fait. Voilà ce que je cherchais, les zones d'ombre. Mais voyez, avec la patience, elle est dans un tunnel avec des nuages. Hein. Et derrière, le ciel est éclairé et elle fait confiance, cette personne, en la bonne étoile, en sa guidance, en le fait que la vie va l'amener vers du mieux. Donc, je pense que pour certains, regardez, il y a l'éclaircissement de suite après la nostalgie, le fait que ce soit compliqué, les amis. Hein. Il peut être question d'une union parce que la lune et le soleil, pour moi, c'est le côté masculin et féminin qui se retrouvent. Donc, ça peut être une union également sur le plan sentimental, amical, professionnel. Il y a peut-être quelque chose qui arrive par la suite en termes d'union. Il y a peut-être aussi un alignement parfait entre votre partie féminine et masculine, un équilibre entre ces énergies-là. Et il y a un choix de direction à faire par la suite, les amis. Mais tout ça, je pense que ça vient vraiment par la suite, c'est-à-dire que quoi que vous travaillez, vous avez encore des choses à lâcher. Alors on l'a déjà vu dans plusieurs tirages, hein. Et bien là, si ça se répète, c'est que certaines personnes doivent encore entendre qu'il y a des choses à lâcher pour avancer vers quelque chose de plus lumineux. On voit que le chemin avec le soleil à côté va être lumineux sur l'élévation. On voit qu'il faut laisser partir certaines choses et que vous allez voir que la vie va vous sourire par la suite. Vous aurez des décisions à prendre, certes, mais vraiment faites confiance parce que c'est vraiment là pour vous guider vers une belle élévation et vers quelque chose de lumineux, tout simplement.
Voilà, il y aura peut-être, je vous dis, des unions. Alors, des unions sur le plan, un homme et une femme, hein, sur le plan d'un engagement professionnel, sur le plan d'une vie sentimentale, sur le plan. Et vous aurez des choix de direction à prendre suite à cette rencontre, suite à cette union, les amis. Ou peut-être vous qui allez équilibrer toutes les parties de vous-même, hein, et que par la suite, vous aurez peut-être un choix de vie à faire ou un chemin, une direction à suivre. On vous dit toujours d'écouter votre intuition, les amis. On nous parle là d'argent, d'abondance, de roues qui tournent. Donc, vous allez finir de lâcher certaines choses. La vie va vous souffler dans les oreilles qu'il faut vraiment lâcher et vous allez finir par le faire. Mais voilà, il y a cette notion de patience d'un côté, de ruine d'un côté, de choses difficiles de ce côté pour aller vers l'élévation. Donc franchement, voilà, peut-être que certaines personnes se font du souci sur le plan matériel et financier, hein, avec l'argent, les amis, et l'effondrement. Vous allez peut-être être amené à quitter un emploi, quitter un projet qui va vous mettre dans une instabilité financière, que vous êtes confus par rapport à ça parce que vous ne voyez pas ce qui va arriver. On vous dit que la victoire est au bout du chemin, les amis, et c'est pour une meilleure élévation. Donc moi, je reste vraiment dans cette notion de... L'univers va vous aider, en fait, hein, va vous aider. Alors, avec le boomerang, j'entends la récolte, les amis. Le boomerang et la victoire, vous allez avoir une récolte, vous allez avoir un retournement de situation, vous allez avoir des choses qui vont rentrer. Donc, de derrière, ne pas vous inquiéter outre mesure, même si aujourd'hui, vous n'y voyez pas clairement. Hein. Il y a vraiment cette notion, hein, de retour, hein, de retour de quelque chose par la suite. Mais ça passe par laisser partir quelque chose. Et la vie, je vous dis, va vous rappeler à l'ordre sans cesse pour que vous finissiez par lâcher les choses qui ne vont plus autour de vous et en vous, en fait. Il y a peut-être aussi le fait de lâcher tout simplement à l'intérieur de soi quelque chose qui vous rattache au passé. Hein. C'est pas forcément quitter une situation, quitter une relation. Ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être sur quelque chose que vous portez à l'intérieur de vous, un deuil que vous n'arrivez pas à faire intérieurement, une part d'ombre de vous qu'il faut lâcher. Voilà, il y a tout ça qui se joue, les amis. Hein. Et derrière, en tout cas, on voit que, et d'un, vous allez y arriver parce qu'il y a la renommée et l'élévation. Et que de deux, vous êtes dans une période, un passage là, un passage de transition. Et on vous dit vraiment d'avoir confiance parce qu'on voit que la suite est lumineuse, tant matériel que financier que relationnel. Parce qu'on avait la rencontre dessous, l'union, avec des choses prometteurs par la suite, des choix qui seront faits, la victoire et la récolte quelque part. Parce qu'avec la carte du boomerang aujourd'hui, j'entends récolte. Les amis, c'est positif, hein. Sauf que y a des choses qu'il faut finir de lâcher. Ouais, on nous parle de tourner complètement le dos à une situation, les amis. Hein. Pour une femme ou par rapport à une femme. Hein. Voyons qu'est-ce qu'on a par la suite. Et un choix de direction. Il va y avoir aussi des ouvertures par la suite. Faites confiance, les amis. Finissez par lâcher tout ce qui vous correspond pas ou plus ou que vous essayez de faire par rapport aux autres ou... pour vous conformer à une certaine chose, enfin, lâcher, en fait, c'est assez simple au final, sauf que ben, c'est à la fois simple et très difficile, c'est-à-dire que sondez votre cœur, dites-vous qu'est-ce qui vous fait vibrer à l'heure actuelle, dites-vous qu'est-ce que vous avez envie dans la vie, je vais y arriver, et en fait, alignez-vous par rapport à ça. Et après, faites confiance parce que vous avez choisi la voie du cœur et que ça va vous ouvrir. Alors là maintenant, avec cette carte du choix, j'ai les ouvertures et les plusieurs possibilités qui arrivent. Mais ça passe par le fait de tourner le dos à une situation passée, de lâcher complètement quelque chose. L'univers vous aide de toute manière. L'univers vous accompagne. L'univers est là. L'univers vous protège. L'univers vous annonce des choses positives par la suite. Mais n'empêche que... la période de transition entre deux états, quand on n'y voit pas clairement, c'est vrai que c'est compliqué, faut pas le nier. Moi, je trouve que c'est pas simple. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Mais en tout cas, voilà, ayons confiance, les amis. Moi, pour moi, il y a de jolies choses qui arrivent par la suite, mais ça passe par finir de lâcher des choses. Et il y en a encore à lâcher, visiblement. Ouais, il y a la fin et la transformation, les amis. Il y a la réussite qui arrive par la suite, hein. On a les mêmes cartes, hein, la fin et l'écroulement de la tour, les honneurs, la réussite et l'élévation, les amis, tout est positif. Alors, ça doit passer par des désengagements. Alors, c'est la carte aussi de la carrière, ça.
La maison 10, la vie sociale. Il y a des choses qu'il faut que vous, en fait, il faut que vous mettiez fin à certaines choses, tout simplement pour avancer vers une meilleure élévation. Voilà. Après, si ça ne se fait pas, la vie va vous y aider, hein. Mais alors peut-être de façon plus radicale. Donc voilà, moi je voilà. J'invite les gens à prendre conscience et à le faire d'elles-mêmes, en fait. En tout cas, voilà, moi, ce que je pense, vous prenez que si ça résonne. Hein. Il y a une notion de fin, hein, de fin de quelque chose pour gagner mieux par la suite, parce qu'on a les gains, l'élévation, les gains. On avait l'argent et la récolte. Enfin, c'est très positif, et la victoire. On a aussi la notion de vie sociale, de relationnel. N'ayez pas peur, en fait, quelque part, de lâcher des choses qui vous correspondent plus, les amis. Hein. C'est vraiment, voilà, hein. C'est vraiment le rappel à l'ordre, quelque part, en toute bienveillance, de l'univers, pour vous faire comprendre qu'il y a des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, les amis, et d'y mettre un terme, de mettre vraiment la fin, ou alors c'est peut-être aussi la fin d'une ancienne version de vous-même. Vous n'avez plus besoin de certaines choses qui vous ralentissaient, qui vous font plus vibrer, qui ne vous ressemblent plus. Vous n'avez plus besoin de tout ça, les amis. Et c'est vraiment derrière pour récolter des choses bien plus positives, parce que à droite, là, on a vraiment les opportunités, les choix. On a le bonheur, les choix, deux fois la récolte, le gain, l'élévation, les amis. Donc il y a bien quelque chose qui cherche à émerger par la suite, mais vous pouvez pas encore le faire émerger puisque vous êtes rattaché à quelque chose qui vous ralentit. Voilà. Pardon. Voilà, les amis. Donc, on y croit, les amis. On fait confiance à l'univers. S'il nous rappelle à l'ordre, oups, on va se tenir à carreau pour mettre un petit peu d'humour dans cette vidéo. Et voilà, les amis, donc on va l'écouter, hein. On va faire un petit bilan sur sa vie ou un petit quelque chose comme ça pour, bah voilà, pour lâcher ce qui intérieurement, profondément, ne vous fait plus vibrer et que vous savez déjà en plus. Hein. Voilà. Alors je vous demande pas de lâcher du jour au lendemain, attention, hein. Je vous demande pas de faire la révolution du jour au lendemain. Dans votre vie, mais peut-être prendre conscience et essayer de voir si vous pouviez faire des choses différemment, mais en tout cas lâcher ces choses-là qui vous retiennent. On a le 10 de coupe qui arrive par la suite, c'est-à-dire les choses qui se stabilisent au niveau des émotions, au niveau d'une famille, au niveau de l'accomplissement de quelque chose qui vous tient à cœur. Le 10 de coupe, c'est vraiment, vous voyez, toute la famille est heureuse là. Hein. C'est beau. C'est aussi le fait d'asseoir ces émotions qui ont peut-être été instables pendant longtemps. Et là, on retrouve de la paix, on retrouve de la joie, on retrouve quelque chose de beaucoup plus équilibré, les amis. Hein. Et je vous parle d'équilibre, mais on a le 6 de pentacle. Donc, peut-être qu'également, là, l'univers vous dit que vous ne manquerez de rien, qu'on vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Et que peut-être que vous-même, également, dans cette évolution, vous allez accompagner, guider des personnes qui seront peut-être dans la situation par laquelle vous êtes passé. Voilà. Vous aurez peut-être suffisamment de quoi pour aider certaines personnes. Voilà. En tout cas, le 6 de pentacle, c'est aussi une notion d'équilibre. Équilibre retrouvé, c'est aussi la notion de finances équilibrées et d'en avoir suffisamment sur ce que vous faites et ce que vous allez avoir et ce dont vous allez avoir besoin. Et on me souffle en clairaudience que vous ne manquerez de rien. Ça, c'est souvent que je l'ai aussi, ce message en ce moment. Vous ne manquerez de rien, les amis. Donc voilà un petit peu les énergies. On voit que le combat a été difficile, hein. On voit que les choses, elles n'ont pas été simples. Peut-être que même certainement, vous êtes toujours dedans à jongler entre plusieurs situations, à essayer de trouver un équilibre par rapport à une relation, à essayer de retrouver un équilibre de vie. Enfin, c'est un combat perpétuel, hein, là. Et peut-être que ce combat, on vous invite à le lâcher tout simplement également, hein, et à faire confiance. Mais bon, là aussi, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, les amis, hein. Bon, les choses vont s'éclairer. Avec le 3 de bâton, pour moi, les choses, elles vont s'éclairer.
Là, vous réfléchissez peut-être parce que vous êtes peut-être en fait en train de jongler ou c'est peut-être un combat intérieur quotidien d'être dans une relation, une situation qui ne vous correspond pas, ça vous tiraille. Vous avez peut-être un combat intérieur avec vous-même parce que vous n'osez pas lâcher, mais finalement, il faudrait que vous lâchiez. Enfin, voilà, il y a vraiment tout ça qui se joue. Et là, moi, avec la 3 de bâton, on me dit, la 3 de bâton, c'est le fait de planifier l'avenir, d'envisager, de tout ça. Mais là, aujourd'hui, moi, on me dit que vous allez être guidé, en fait. Vous allez avoir plusieurs possibilités qui vont s'ouvrir et vous allez être guidé dans la bonne direction, les amis. Pour sortir de ces choses qui vous enferment, tout en étant acteur également de ce que vous allez lâcher et mettre en place par la suite. Hein. Voilà les amis. Allez, je finis avec une petite carte de l'oracle Ephidia et nous aurons fini ce merveilleux tirage qui nous rappelle alors de façon bienveillante et douce. Mais on a compris, on a compris. Allez, mon enfant intérieur. Donc là, moi, ce que ça me fait penser, cette marelle en fait entre la terre et le ciel, c'est vraiment de vous connecter aux énergies de la terre et du ciel, de faire confiance et d'évoluer un petit peu au fur et à mesure. Et faites les choses étape par étape et ne vous mettez pas la pression non plus, hein, parce que l'objectif, c'est pas de vous rendre anxieux, de vous mettre la pression, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, c'est pas ça. C'est vous avancer dans la vie de façon... vous avancez comme vous pouvez, en fait, un petit peu, si vous voulez, comme vous êtes, avec l'histoire que vous portez. Et donc, de ne pas vous mettre la pression, mais de faire confiance quand même aux directions que vous êtes amené à prendre, parce que pour moi, il y a vraiment une notion d'univers qui vous guide et vous accompagne. Et vraiment, prendre du temps pour lâcher certaines situations qui vous empêchent en fait cette progression. Et on voit que de toute manière vous allez y arriver. Moi, je suis pas inquiète avec ce tirage parce qu'il y a quand même la notion d'élévation et de monter les étapes de la vie en fait, une par une, à votre propre rythme, sans aucune pression, les amis. Faites confiance, il y a de jolies choses qui arrivent et vous allez progressivement vous élever. Voilà, chers amis, pour cette guidance intemporelle. Je vous souhaite une merveilleuse journée, les amis. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!